Alors, ici, nous sommes déjà au restaurant scolaire à manger 85% bio et local. Mais on ne veut pas en rester là. Manger bio et local, c'est bien, c'est bon pour la santé. Mais manger d'un lieu calme, apaisé pour nos enfants, c'est encore mieux. Aussi, la commune d'Oloris a construit un restaurant scolaire à 2,5 millions d'euros où il y a des petites tables de 4 ou 5 enfants à la maternelle avec un adulte parce que manger dans la paix, dans la tranquillité, c'est aussi important. Vous êtes dans le nouveau restaurant scolaire. Les travaux ont commencé il y a 3 ans. L'inauguration va être au mois d'octobre. Aujourd'hui, le menu, c'est tomates, maïs, couscous de poulet avec des légumes frais, petite épeautre, en dessert, fromage blanc local. On est dans la continuité de notre projet. Donc, on pèse les déchets, on trie les assiettes. Et après, on emmène ici les bacs d'apport, d'apport en cours de maturation. Et autour du village, nous avons créé des zones agricoles protégées. On est arrivé à faire un accord avec les villages voisins, qui sont Puy Vert d'un côté et Puget de l'autre, pour qu'il y ait des zones agricoles protégées juxtaposées aux nôtres. Et depuis toujours, nous travaillons avec le parc régional naturel du Luberon, dans le PAT, qui est le projet alimentaire local. Et pour aller encore plus loin, nous sommes en train de créer, le projet est en gestation, on a obtenu les premières subventions, nous travaillons à la cité vivante de l'alimentation. C'est un endroit où il y aura de la recherche, il y aura toujours de façon participative de la pédagogie, on rencontrera les gens qui veulent déjà nous visiter, il y en a beaucoup qui viennent voir comment fonctionne notre cantine pour essayer de faire des réseaux. Pour montrer l'exemple, en gros, pour montrer l'exemple comme il faut faire pour manger bio et local. Et cette cité vivante de l'alimentation, ici à Loris, elle sera en bas et elle rayonnera sur l'axe Pays d'Aix, Vallée d'Aigle. Et ça sera à nous de montrer l'exemple, de travailler avec les communes voisines pour essayer de travailler dans le bio local. Pour la santé de tous, pour améliorer notre économie, pour arriver à se rencontrer, pour protéger la planète. Voilà, nous maintenant, nous en sommes à élargir notre travail et pour que ça résonne et que chacun s'y mette, pour aller plus loin tous ensemble.